Salut à tous, messieurs, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi c'est nickel. Aujourd'hui on se retrouve sur une vidéo de FIFA 16 achat revente. Comme vous pouvez le voir, je me suis acheté Baba à 600 crédits et le prix de départ je vais mettre ça à 1100 et le prix d'achat immédiat à 1002. Donc Baba qui se vend plutôt bien. Donc ici de l'avoir en dessous de 1000, comme là je fais moi là en ce moment, en dessous de 1000 et vous le vendez à 1002. Donc là c'est l'après-midi, ça marche plus trop, mais sinon essayez le soir ça marche super bien. Donc là j'ai vendu du Za, du Zuma et Baba, Michi, le faites pas sur Michi parce que Michi ça se vend pas du tout. Za, alors ce Za là je l'ai acheté 700 crédits et je l'ai revendu à 1002. Bon, Zuma, j'ai acheté 1600 crédits. Tous les Zuma, j'ai acheté tous à 1600, voire 1500 ou 1300. Mais souvent c'est 1600. Et je leur vends à 1008. Donc, 1600, je leur vends à 1008, ça fait que 200 de bénéf. Ouais, c'est vrai. Sauf que l'avantage, c'est que vous êtes sûr de leur vendre en une heure de temps. En gros, vous mettez une heure, en moins d'une heure, vous êtes sûr de le revendre. Et quand vous êtes sûr de le revendre, en gros, vous pouvez en acheter beaucoup. Si vous avez beaucoup de crédits, si vous avez aussi beaucoup de place dans votre liste, vous pouvez en acheter beaucoup, beaucoup. Et puis, l'avantage, c'est que en même pas une seconde, vous êtes sûr de le revendre, en fait. Si ça marche vraiment bien, vous êtes sûr de le revendre. Donc, comme vous voyez là, Baba, je viens juste de le revendre, alors que je viens juste de le relister. Donc certes, je me suis fait que 200 de bénéfices. Bon, Baba là, je l'ai acheté 700 crédits, je l'ai revendu à 1002. Donc j'ai un peu plus que 200 crédits. Mais sinon, c'est pas parce que vous avez que 200 de bénéfices de crédit que ça fait pas beaucoup. Parce qu'au final, vous le revendez en moins d'une seconde. Donc en une heure, ça vous fait pas mal de bénéfices. Après, ça dépend aussi de les crédits que vous avez déjà. Et ça dépend aussi de la taille de votre liste. Mais sinon... par exemple, parce que sinon, relister à chaque fois, c'est chiant. Vous achetez Baba à 1000, comme moi là, mais si vous le mettez à 2500, bah certes, vous allez faire 1500 de bénéfices, mais en combien de temps? En 3 heures? Bah ça sert à rien. Moi, je préfère mettre que 200 de 200 en plus, me faire que 200 de bénéfices à peu près. Mais en 3 secondes, c'est déjà vendu. Et si parfois, par exemple, le soir, ça marche plutôt bien. Comme moi hier soir, Zuma c'est. Il y avait plein de Zuma à 1600, vous la vendez tous à 1800, je me suis fait plein de bénéfices dessus. Hein. En même pas aller 5 minutes. Enfin, le grand maximum c'est une heure, mais je lui dis en une heure, vous êtes sûr de le revendre. Après, si je ne revendais pas, après, c'est parce que. Voilà, après, ça a chance. Par contre, ah oui, Za, ça marche. Ça va, on va dire ça va, Za. Mais Za, vous pouvez l'avoir en dessous de 1000 et la revendre à 1002. Mais parfois ça marche pas toujours, enfin pas trop, c'est limite ça, c'est limite. Baba ça marche plutôt bien, Zuma ça marche bien, Michi ne fait pas ce Michi, ça se vend pas du tout. Bon moi je vais essayer après de trouver d'autres joueurs. Mais sinon vous faites ça puis voilà. Donc la journée, la charvente, c'est pas terrible. Hein. Comme vous pouvez le voir là, il y a rien en fait. Donc voilà. Donc cette vidéo est bientôt finie. Moi je vous dis abonnez-vous à ma chaîne, likez, surtout likez, et je vous dis ciao, allez bye tout le monde.